Bonjour à tous, on va faire une nouvelle toile cette semaine. Ravi de vous retrouver donc sur Coffee Crème. On va faire une toile dans les tons terre principalement, et puis je vais appliquer d'abord du Moline Past pour structurer tout ça, créer un peu de relief. Voilà, donc on va commencer tout de suite par appliquer du Moline Past donc sur la toile. J'applique grossièrement pour commencer, et après je vais utiliser des ustensiles pour essayer de faire ma composition. Pas trop, je voudrais un élément bien central en termes de composition. Pas un élément, mais ma composition assez centrale. Par endroit pas mal de structures, donc ça mettra un peu plus de temps pour sécher bien sûr, mais on va créer. Et je vous invite à aller voir d'ailleurs ma vidéo où je décris quelques utilisations du Moline Past, 4 pour être précis, voilà, qui peut vous donner des idées pour créer vos compositions avec cette pâte. Voilà, à relief, très intéressante à utiliser, je trouve. Voilà, donc là, le Moline Past a été posé, donc il y a quand même pas mal d'heures, je vais laisser sécher 24 heures. Juste un mot, désolé pour ma voix, j'ai eu un week-end un peu chargé, et là malheureusement, j'ai du mal à parler. Bon, donc je vais pas trop parler, et puis on va se retrouver donc demain pour la suite de la création de cette toile. Voilà. Voilà, donc c'est sec. Bien que c'est sec, on a de la matière, on a de la structure, voilà, donc on va s'appuyer sur cette structure hein, donc pour réaliser cette toile. Comme je disais, donc on va utiliser des couleurs chaudes, et principalement les trois principales couleurs que je vais prendre: terre de ciel brûlée, terre d'ombre brûlée, et puis pour les côtés un peu plus clairs, je vais prendre du jaune de Naples vert, et puis bien sûr blanc titane, etc. Voilà, donc ça, ce sont les trois principales couleurs que je vais utiliser.
Voilà, c'est pour cette première couche, on va attendre que ça sèche et puis on va retravailler un peu les contrastes, les lumières. Alors on se retrouve donc quasiment tout de suite pour vous.